Deuxième application, nous avons vu donc l'échauffement isochore. Qu'en est-il de l'échauffement isobare? C'est-à-dire qu'à nouveau, on apporte de la chaleur au système, mais cette fois-ci, isobare signifie que la pression extérieure et la pression intérieure sont égales et qu'elles ne varient pas tout au cours de la transformation. Bon, je vais vous demander d'exprimer la chaleur Q en fonction de CV delta T, force extérieure, surface ici de ce piston, du volume initial et du volume final. À vous de jouer. On repart du premier principe, donc la variation d'énergie interne est égale au travail élémentaire plus à la chaleur élémentaire échangée, ce qui est égal à CV fois dT pour un gaz parfait. La variation élémentaire de travail, c'est moins P extérieur dV. Ça nous fait une bonne occasion de nous rappeler ce que c'est qu'une pression. La pression extérieure, c'est égal au rapport de quoi? Eh bien, de la force extérieure sur la surface. Hein. Au passage, par exemple, si j'exerce une force de 1 newton sur 1 mètre carré, ça fait une pression de 1 pascal. Plus la force est grande, plus la pression est grande. Et plus la surface est petite, plus la pression elle est grande. Hein, par exemple, faites-vous marcher sur le pied par une femme qui a des talons aiguilles, vous allez voir, ça fait plus mal parfois que de se faire rouler dessus par une grosse voiture avec des grosses roues. Hein, n'essayez pas quand même. Hein. Mais la pression, c'est bien le rapport de la force sur la surface. On continue. Si on veut calculer le travail total, eh bien c'est tout simplement la somme de tous ces travaux élémentaires. Donc intégrale de quoi? De moins P extérieur dV. Je peux sortir la pression extérieure qui est constante, qui est égale à la pression intérieure, puisqu'on est dans le cas d'un échauffement isobare, ce qui nous fait moins P extérieur intégrale de dV, donc somme de dV. Ce qui nous fait donc, pour le travail total, moins P extérieur qui vaut moins F extérieur divisé par S fois VF moins V. Au passage, on va échauffer le gaz, donc ils vont s'agiter, les molécules vont s'agiter, vont pousser le piston vers le haut, et donc ce travail échangé par le flux, il est de quel signe? Il est bien négatif. Le volume final étant plus grand que le volume initial, eh bien le travail est bien négatif. Pourquoi? Parce que le fluide, quand il est échauffé, eh bien, il fournit du travail à l'extérieur. On y est presque. Donc, nous avons ici d de u. Si on fait l'intégrale de d de u, la somme de tous ces d de u, ça fait delta u, qui est égal à la somme des delta W plus la somme des delta Q qui vaut CV fois la somme des dt qui vaut CV fois delta T. Autrement dit, delta U est égal à CV fois delta T est égal à quoi? Somme des delta W, mon Dieu comme c'est mal écrit, égale donc moins F extérieur sur F facteur de VF moins V plus la somme des delta Q qui vaut Q. Autrement dit, que vaut la chaleur Q? Elle vaut CV fois delta T plus F extérieur sur S facteur de VF moins VI. Voilà. Alors, une dernière chose, hein, pour comparer avec ce qu'il y avait notre exemple de tout à l'heure, eh bien, ça veut dire tout simplement que si j'apporte comme tout à l'heure, par exemple, je crois que c'était 20 joules, hein, 20 joules d'énergie, on voit que la variation de température du gaz sera moins importante que précédemment. Pourquoi? Parce que le gaz, lui, il reçoit
de l'énergie sous forme de chaleur, mais il l'en fournit à l'extérieur sous forme de travail. Donc il s'échauffera un petit peu moins que dans l'exemple précédent, dans le cas d'un échauffement isochore.